se dire devant moi que ces couleurs te touchent. Parce que c'est la vérité. La vérité. Oui, ces couleurs me touchent. La vérité, ces couleurs te touchent. Oui, ces couleurs me touchent. Mais ces couleurs le touchent, c'est la droite. Non, elle n'a pas le droit. Comment ça, elle n'a pas le droit? Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Non. Mais comment ça, elle n'a pas le droit? Tu sais que t'es pas bien en ce moment, tu devrais consulter, hein. Il n'a pas le droit de dire ces couleurs le touchent parce que c'est faux. Ces couleurs ne touchent pas. Mais il n'y a pas de couleurs, tu les vois pas. Elles te touchent pas. Oh, quel affaiblissement, Yvan. Mais qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi? Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met son point d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Ça veut dire être un homme de son temps. Ciao, moi je m'en vais. Où tu vas? Je m'en vais. Je ne vois pas pourquoi tu as supporté mon papa. Mais frère, ça te râpé. Si t'en vas, tu lui donnes raison. Un homme de son temps, c'est un homme dans son temps. Oh, quelle connerie. Alors comment un homme peut vivre dans un autre temps que le sien? Alors vas-y, explique-moi. Un homme de son temps, c'est quelqu'un qu'on pourra dire dans 20 ans, dans 100 ans, qu'il est représentatif de son époque. Et pourquoi faire? Comment? Pourquoi faire? À quoi ça sert qu'on dise de moi un jour, il est représentatif de son époque? Mais mon pauvre vieux, c'est pas de toi dont il s'agit, mon pauvre vieux, toi on s'en fout!